Salut tout le monde, c'est GG1sRoss et on se retrouve pour le 30 minutes de Lego le Hobbit. Donc sorti le 11 avril 2014 en France. Le type c'est de l'action aventure. Les développeurs c'est TT Games comme tous les autres jeux Lego. L'éditeur c'est Warner Bros. Games. Et voilà, donc alors le Hobbit, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un film, en fait c'est avant le Seigneur des Anneaux. Et voilà, c'est avant le Seigneur des Anneaux, donc on voit tout ce qui s'est passé. Et vu que là ça reprend le premier et le deuxième film, il y aura un DLC, c'est sûr qu'il y aura un DLC sur le troisième film. Et on ne sait pas si ce sera gratuit ou payant, mais il y aura bien un nouveau DLC. Donc voilà, je vais prendre la partie que j'avais pas faite du tout. Voilà, sauvegarde réussi. Allez, auto-sauvegarde. Voilà. On va commencer l'aventure. Donc, c'est en français. Je vous ai laissé les sous-titres comme ça, je pourrais parler. Si je t'avais tout raconté à propos de mes aventures. Tout commença il y a fort longtemps, dans une lointaine contrée à l'est. Là était la ville de Del, paisible et prospère. Car cette ville était située aux portes du plus grand royaume de la Terre du Milieu. Erebor, place forte de Tror, roi sous la montagne, le plus puissant des seigneurs nains. Sa lignée était assurée en la personne de son fils et celle de son petit-fils. Tous devraient lui rendre hommage, même le grand roi des elfes, Tranduil. Donc voilà, là on est au premier film, bien évidemment. Donc on découvre un petit peu le film, même si moi j'ai vu, mais ceux qui n'ont pas vu les films, moi avant, j'aime pas le Seigneur des Anneaux, mais en fait quand on a vu que le Hobbit, la désolation de Smaug allait bientôt sortir, on s'est dit on va aller le voir au cinéma. Mais d'abord on va regarder le premier film, et on l'a regardé et j'ai bien aimé. Donc peut-être que j'aimerais le Seigneur des Anneaux. Alors, oh, un autre personnage. Oh, 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 il y a trop de style. Ouais, je sens pas bien. Et lui c'est quoi son truc? Wow, ça c'est cool. Par contre, ce que je comprends pas dans les jeux Lego, c'est pourquoi ne pas essayer de faire un univers entièrement fait de Lego. Par exemple, là vous voyez, c'est pas des Lego, c'est des textures par exemple qu'on peut faire sur Cinema 4D. Mais vraiment, je me demande pourquoi, parce que moi je pense que ça rendrait vraiment, vraiment, c'est bien ça. Ça donnerait plus la dimension Lego plutôt qu'une... une dimension assez assez normale, on va dire. Hop là. Alors là je vais construire un truc là avec 3. Ah tiens, là avec le bouton 4 je peux prendre le truc. Voilà, enfin maintenant 5. Bon, ah oui, c'est les indications. Ok, tu peux didacticiel. Hop là, hop là, hop là. Je veux dire ça, non. Oh, je vais faire les trucs. Maintenant, 5. Ok.
Oh, c'est quoi ce... Oh, il y a un menu. Oh, c'est... Oh, mais c'est trop bien! Je savais pas qu'il y avait un menu comme ça, genre RPG. Eh, mais c'est trop bien! Hop là! Non, mais j'ai compris. Hop là, on ouvre les portes. Et oui, parce qu'il n'y a pas de poignée. Héhéhé. Ok, je regarde le temps déjà. Voilà. Sachant que j'ai un petit peu de temps de retard. Voilà, parce que... Ah oui, aussi. Autant parler de Lego le beat, autant parler de sur ce qu'on a mis. En fait, j'avais Lego le Hobbit. Et en fait, j'ai préféré attendre que ce soit les vacances. Par exemple, là, on est le premier jour des vacances. Pour le faire comme ça, je pourrais bien me faire. Voilà. Et aussi une nouvelle chose. Il y a pas longtemps, je viens d'avoir... J'ai à peine... voilà, je l'ai eu hier. J'ai eu la PS4. Donc, sûrement après... Après que... J'aurais fait cette vidéo. Je vous ferai un unboxing avec Julien. Et c'était le pack Infamous Second Son. Et vu qu'il n'y avait pas le bonnet de Delsin, wow, donc le personnage principal du jeu, on m'a donné des t-shirts, un t-shirt Metal Gear Solid et un t-shirt Dark Souls. Bop. Wow. Wow. Oh non, non, ça, non. Ah, ouf, il y a eu un petit bug là. Bon, on continue la vidéo. Pas grave. Peut-être que lui... Hop. Ah, mais comment on fait ça? C'est, par contre, je trouve que c'est pas mal ce petit système là. Je suis sûr qu'il faut faire un truc avec lui. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire là. Avec un diamant. Mais où le trouver? Hop là. Hop là, boum. Et qu'est-ce que... Il est où ce diamant? Mais je suis le fils du roi. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. J'ai un lé... Ok, donc peut-être en faisant quel... Je suis sûr qu'il faut faire quelque chose. C'est bête. Oui, c'est bête. Hop là, je suis pas content. Non, non. Ah. Je suis pas content. Oui. Wow. Oh, le truc. J'ai lancé devant moi et wow, c'est. Oh tiens, un autre personnage du jeu, enfin du film qui fait partie du jeu du coup. Donc, voilà. Je pense que qu'il regarde quelque chose. Donc voilà, je vous l'avais dit concernant les... Comme ça, je peux parler moi. Et vous pouvez mettre pause et lire, voilà. Hop là. Hop là, il y a un truc à faire. Et au cas où, je vais parler un petit peu des autres, des derniers jeux Lego. Donc, je crois que le dernier jeu Lego sorti, c'est celui-là. Mais avant celui-là, c'était La Grande Aventure Lego. Donc, La Grande Aventure Lego, j'y ai joué
mais vraiment sincèrement j'ai pas du tout aimé. Vraiment je pense le pire jeu Lego que j'ai joué. Et j'ai terminé le jeu en environ 4 heures, voilà. Pas plus. Donc pour vous dire à quel point c'était assez vide. Ah oui, il faut le marteau. Le marteau, oui. Le marteau des Reborn, comme je l'appelle. Hop. Oh. Ah, au moins, ce que je viens de voir là, à l'instant, c'est qu'au moins, en fait, voilà, ce sont des nains. Et voilà, ils sont petits, ce sont de vrais nains. Voilà, ça c'est ce que j'ai bien aimé. Mais sinon, les hobbits, ce sont un petit peu des humains, mais avec de longs pieds, de grands pieds. Ce que je me demande, c'est comment ils vont retranscrire, enfin pas retranscrire, et comment ils vont faire pour que le Lego, bah, il a les de longs pieds, pour que le hobbit, Bilbon Sacquet, il est le ah. Il est de longs pieds. Ah, mais c'est comme ça que ça se fait. Moi, je croyais qu'il fallait les remercier. Ah, non, si on fait ça, putain. Ah. Par contre, je ne sais absolument pas du tout à quoi ça sert. Hop là. Ok. Un truc spécial. Ah, peut-être qu'en fait, on peut faire les crafts. Suivant les niveaux. Selon les niveaux, plutôt. Là, hop, voilà, on est des nains, on peut passer comme ça, tranquillou. Comme dans les autres jeux Lego, les petits personnages peuvent passer comme ça, tranquillement, dans ces petits trucs là qui me font bizarrement penser au passage de l'avion dans Toy Story 2, là où ils arrivent dans la salle là, avec toutes les valises. Hop là. Purée, mais on va devenir riche ici. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, j'ai mal aux oreilles. J'ai mal aux oreilles, s'il vous plaît. J'ai un mal de tête. Hop là, c'est bon. Ça est passé. Hop là. Hop. Ah, tiens, quelque chose. Une matière. Ah, ma maison, je l'aime pas. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dites-le moi. Ah tiens, j'ai récupéré du bois. Cool, je sais pas à quoi ça me servir, mais j'ai récupéré du bois. Au cas où, vu que je suis dans les écrans là, plein de choses. Non, c'est faire plein de choses, hein. Il y a plein de matière, il y a du poisson. Peut-être quand on sera en open world, s'il y a de l'open world dans ce jeu, ce que j'espère, on aurait une barre de manger, comme un petit peu dans Minecraft. Enfin, une barre d'énergie, une barre de food, voilà. Personne ne va comprendre vu que food c'est nourriture, une barre de nourriture. Comment tu es censé faire ça? Oh, un clé forgée. La clé forgée, pour moi, elle est là. Hop là, il montre ici. Regardez pour quelque chose.
Ah, ok. Là. Voilà, c'est bon. Ah bah oui, c'est ce que je pense, c'est ce que je disais, en fait, c'est bien des crafts. Oh merde. Wow, wow. Hop là. Et non, mais arrêtez là. J'ai même pas commencé l'aventure que je suis bloqué. Ah là 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 là, ça m'énerve. Ah ok. Oh purée, ok, c'était aussi simple que ça. Voilà. C'est bon. Je l'ai eu. Ah c'est... Wow, purée. Peut-être ranger... Ah, lui, il a deux armes. La hache des nains. C'est tellement bon. Tellement beau. Hop là, voilà, je le range. Et c'est bien parce que... En fait, je pense qu'on... Ensuite, on débloquera de nouvelles armes et que voilà, on aurait plein d'armes. Ce serait super. Enfin, super. Je veux dire, c'est super. Voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était difficile! Joue ta petite flûte, on va danser, on va danser. Oui. Allez, je vais vous rejoindre. Est-ce qu'il va nous rejoindre? Eh oui, il va nous rejoindre. Oh! Ok, donc ça, c'est une pioche. Oui. Non, c'est mauvais. Hop là. Ah, merde. Oh! Plein dans le mille! Oh, c'était magnifique! Hop là. Ok. Et encore un truc avec du butin. Il me manque quelque chose. Bah si, non, j'en ai. Je croyais que j'en avais pas, mais en fait, j'en ai bien. Hop là, voilà, 6 cordes. Ok. J'aurais peut-être m'entendre. Wow, bonus de pièces. Là.
Là. Je suis le meilleur en construction Lego, moi. Et arrête, mais arrête. Là, moi je suis le meilleur. Ah, un ascenseur, c'est bien ça. Bah c'est bien un ascenseur. Oh. Oh. On va... Si c'est comme dans Minecraft, on mine, c'est pas mal ça. Mais non. S'emparer de lui. Et quand la maladie vous ronge, le malheur n'est pas loin. Oh, un chien. Ils entendirent tout d'abord un bruit semblable à celui d'un ouragan. Alors, ça là. Qui a dit ? Un dragon ! Mais c'est lui l'alarme. Ok, on va faire comme ça. Là, on va bientôt faire plus que 10 minutes environ. Là, au moins, je termine ce niveau. Ça serait essentiel. Deux persos. Wow! Comme dans Sonic, Sonic 4 épisode 2, on peut faire des trucs à deux. Ah. Mais est-ce qu'on peut le faire à tout moment? Ah oui, on peut le faire à tout moment. Et avec n'importe qui. Hop là. Et on saute et on saute et t'as mal. Hop là, toi viens. Allez. Vive les mariés. Wouhou. Faut ouvrir la porte. Sinon, le scénario est rompu. Je vais me placer devant. Oh, blah.